praise the Lord. Quand on va prier, tout ce qu'on va demander, demandez aussi. When we are going to pray, everything we are going to ask for, ask it also. Vous êtes déjà des enfants de Dieu. You are already children of God. Dear Dieu, dear God, ouvre mon esprit. Open my mind. Que je comprenne cette affaire de renversement d'idole. That I may understand this matter about overthrowing of idols. Lui. And tell him, règne sur moi. Reign over me. Médite. Meditate. Y a-t-il la colère en toi? Is there anger in you? Le diable aime la colère. The devil loves anger. Notre sœur qui a rendu témoignage. Our sister who testified. L'esprit de sa grand-mère est sorti. The spirit of her grandmother came out. Et de sa grand-mère, un enfant est sorti. And from her grandmother, a child came out. L'enfant a commencé à détaler, c'est des démons. Hein. They are demons, hein? And he was running. La grand-mère dit, ne va pas, ne va pas. The grandmother said, don't go. Attendons. Let's wait. Si elle retombe dans la colère, on va entrer. If she falls back into anger, we are going to get inside her. Ça doit te révolter même. It must revolt you. Ah bon? That is it so? C'est comme ça que le diable travaille. This is how the devil works. Ne cours pas, ne fuis pas, ne fuis pas. Say, don't run. Ne va pas loin. Don't go far. Il va retomber bientôt. She's going to fall back in it. Be focused. Quand on va prier, when we are going to pray, on va déloger tout démon qui est revenu. We are going to dislodge every demon who came back. Qui a profité? Who took advantage? Si ton problème c'est la convoitise. If your problem is lust. Ils ont dit non, ne partez pas. Attendez, vous allez voir bientôt sa convoitise là. Say no, don't go back. Wait. You're going to see very soon his covetousness. Dès que la convoitise entre, once covetousness gets in, il appelle, venez, la porte est ouverte. Venez. He calls the demons back. Come, the door is open. Si c'est le découragement, if it is discouragement, le Saint-Esprit t'exhorte. The Holy Spirit encourages you. Tu crois 2 minutes. You believe for 2 minutes. Après, tu plonges encore dans le découragement. Then you fall back into discouragement. Les frères t'exhortent. Brothers encourage you. Tu dis oui, j'ai compris. Ah, c'est comme ça, j'ai compris. Say yes, I've understood. Après, tu retombes dans le découragement. Then you fall back into discouragement again. Et le démon dit à ses amis. And a demon will tell his friends. N'allez pas loin. Don't go far. Attendez. Wait. Il va se décourager bientôt, on va He's nous going to entrer. Get discouraged very soon and we're going to get back in him. Un jour, one day, il y a une année, le frère Zach était venu. Brother Zach came. Et une sœur nous a donné sa voiture. And a sister gave us her car. Un frère conduisait. A brother was driving. Un taxi ou bien un véhicule l'a gêné. A taxi came and hindered him. Il a dit, connard. He said, connard. Hey, Seigneur. Quel chauffeur on a donné aux frères comme ça? And he said, oh Lord, what kind of driver did we give to Brother Zach? Connard. Le chauffeur du prophète. The one who was the driver of the prophet. Quand les idoles sont là, tu ne peux pas faire. Il dit, nos péchés sont avec nous. When idols are there, you can't do otherwise. He said, our sins are before us, are with us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tenons-nous debout.
Let's stand up. Oh, Père, pardonne l'idolâtrie. Say, oh, Father, forgive idolatry. Oh, Père, pardonne l'idolâtrie. Oh, Father, forgive idolatry. Pardonne la colère. Forgive anger. Pardonne la paresse. Forgive laziness. Continue à confesser ce que tu reconnais dans ta vie. Keep confessing that which you acknowledge in your life. Prions en langue. Let's pray in tongues. Prions en langue. Let's pray in tongues. Maintenant, continue à faire la repentance. Keep repenting. Continue à faire la repentance. Keep repenting. Continue à plaider. Keep pleading. Continue à déraciner. Keep uprooting. Continue à déraciner, continue à déraciner. Keep uprooting, keep uprooting. Tu peux t'asseoir, tu continues à prier. You can be seated and you keep praying. Ça, tu te connectes au Seigneur Jésus. You connect yourself to the Lord Jesus. Si, dès que tu renverses l'idole, once you overthrow the idol, tu commences à bâtir la communion avec Jésus. You start building the fellowship with Jesus. Tu parles à Jésus. You speak to Jesus. Tu lui fais des promesses. You make him promises. Tu prends des engagements. You take commitments. Tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. You ask for the fullness of the Holy Spirit. Tu dis, Seigneur, remplis-moi. You say, Lord, fill me up. C'est une soirée spéciale. It is a special evening. La restauration dans la plénitude. Of restoration in the fullness. Après cela, after this, on va prier que s'il y a un esprit, we are going to pray that if there is a spirit, qui a regagné le terrain quelque part, who regained his field somewhere, nous allons l'arracher. We are going to snatch him. Nous allons arracher le terrain qu'il a occupé. We are going to snatch the field that he has occupied. Et nous allons le chasser. And we are going to cast him out. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Continue à plaider. Keep pleading. Sois rempli. Be filled. Commence à dire merci à Jésus. Start saying thank you to Jesus. Commence à dire merci à Jésus. Start thanking Jesus. Tenons-nous debout. Let's be on our feet. D'un commun accord. With one accord. S'il y a un esprit. If there is a spirit. Est revenu dans une vie. Who came back into a life?
Nous te jugeons. We judge you. Démon. C'est démon. Toi qui attendais le temps favorable. You was waiting for favorable moments. Toi qui attendais le temps de la colère. You was waiting for the time of anger. Le temps d'un péché. Or for the time of a sin. Qui est revenu? And who came back? Tu n'as pas ce droit. You have no right. Nous te jugeons. We judge you. Toi qui es revenu. You who came back. Nous sommes spécialement contre toi qui es revenu. We are against you who came back. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toi qui es revenu. You who came back. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Toi qui te tiens à quelques mètres. You is just standing some meters away. Qui refuse d'aller loin. You refuse to go far away. Qui espère revenir. And you hope to va-t'en. Come back. Be gone. Te frappons. Va-t'en, va-t'en, we va-t'en. Strike you. Be gone. Va-t'en, 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 va-t'en. Be gone, be gone, be gone. Urabaka, va-t'en. Be gone. Va. Be gone. Continue, continue. Keep praying. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toi qui te tiens à quelques mètres, qui espérais. You were standing some meters away and you were hoping. Nous te frappons. We strike you. Va-t'en. Be gone. Va. Be gone. Continue à prier. Keep praying. Esprit de mort.
C'est spirit of death. Esprit de mort. Spirit of death. Toi qui es revenu. You came nous te back. Frappons. Va-t'en vite. Be gone quickly. 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 Va. Go. Nous insistons. So we insist. Toi, esprit de mort, you spirit of qui est revenu, which came back, ou qui te tient à quelques mètres, always standing away, espérant les temps away, favorables, just waiting for the perfect time. Va-t'en. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Sors et va-t'en. Go. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Go far, far. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go, go, be gone. Yetakara, 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 yetakara. Yetakara, 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 yetakara. Dis-toi, mari de nuit. Say you, spirit husband. Toi, mari de nuit. You, spirit husband. Qui est revenu. Who came back? Dis-nous, nous précisons. Say we precise. Tout mari de nuit qui est revenu. That any spirit husband who came et back. Jugé. Your judge. Jugé. Your judge. Frappé. We strike you. Va-t'en vite. Be gone quickly. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Be gone, be gone. Va, t'en. Be gone. Va. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Et toi, you, qui n'étais jamais parti, who never left, qui a résisté jusqu'à ce jour, who resisted till this day, ou bien qui habite quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas assisté au combat, au premier combat contre toi. You did not assist the first battle against you. Et c'est sa première fois ce soir. And you're housing someone who was there, and it's your first Va-t'en. Time. This evening, be gone. Va. Go. Va-t'en. Be gone. Over the Casanova,
Du nom de Jésus, nous renversons le royaume des maris de nuit. We overthrow the kingdom of spirit. Nous renversons le royaume des maris de nuit. We overthrow the kingdom of nous spirit. Nous saccageons toutes choses. We scatter everything. Nous troublons le royaume. We cause confusion. Nous libérons les captifs. We set the captives free. Libérons les captifs. We set the captives free. Continuez à prier. Keep praying. Du nom de Jésus, say in the name nous of jugeons la mort elle-même. We judge death nous jugeons la mort elle-même. We judge death nous te itself. Chassons. We chase you. Nous libérons tous tes captifs. And we set all your captives nous te chassons. We chase you. Tu peux t'asseoir. You can be seated. Tu gardes le silence. Remain calm. Tu gardes le calme. Tous genoux réfléchis. Every knee must bow. Tous genoux réfléchis. Every knee must bow. Nous ruinons le royaume des serpents. We ruin the kingdom of Satan. Nous jugeons les alliances. We judge the covenants. Toute alliance à travers laquelle. Every covenant through which. Les esprits de mort opèrent ou les génies du commun. The spirit of the dead or the genies operate or the spirit of commun. Ou des masques. Or masks. Nous ruinons ces alliances. We ruin these covenants. Nous les bannissons. And we ban them. Nous ruinons ces alliances. We ruin these covenants. Et nous déclarons libres les captifs. And we set the captives free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Pour posséder l'héritage. In order to possess the heritage. Que toute main démoniaque that every satanic hand qui a touché l'héritage d'un élu which touched the heritage of a saint même s'il est encore petit dans la foi even if he's still little in the faith son héritage ne doit pas être touché even if he's young in the faith his heritage shouldn't be touched que la main
Let their hearts se lever. Which rose up pour toucher à cet héritage. To touch that heritage. Taille en pièces. Be cut into pieces. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que l'esprit. Let the spirit. Qui a voulu profaner les dons de Dieu. Who wanted to defy the gifts of God. Et les bénédictions de Dieu. And the blessings of God. Soit taille en pièces. Be cut into pieces. Dis-toi, esprit. Say you, spirit. Qui a touché mon héritage. Which touched my heritage. Nous te frappons. We strike nous you. Nous te chassons. We cast nous te frappons. You. We strike nous te chassons. You. We nous cast frappons. You out. Nous te chassons. You. Nous te frappons. Nous te chassons. You. We cast you nous out. Arrachons tout ce que tu as pris. We snatch everything that you've taken. Et nous te chassons. And we chase you away. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begun, begun, begun. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begun, begun. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begun, begun. Va-t'en, sors et va-t'en. Begun, come out and go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begun, begun, begun. Sors et va-t'en. Come out and go. Tu ne devais pas toucher à cet héritage. You shouldn't have touched that heritage. Tu es frappé, frappé, frappé. We strike you, strike you, frappé. Strike you. Frappé. Strike you. Tu ne devais pas toucher. You shouldn't have touched. Tu es frappé. You're stricken. Continue à frapper, frapper, frapper. Keep striking. Dis démon. Say demon. Démon. Demon. Jésus-Christ a dit. Jesus Christ said. Que le voleur. That the thief. Ne vient que pour dérober. Comes only to steal. Ce que tu as fait, c'est un vol. This is what you tu do. Tu es jugé. You, laisse. You steal. Laisse et we pas. We judge you. Laisse tout et va-t'en. Leave everything and go away. Laisse tout et va-t'en. Leave everything and go away. Rien ne t'appartient. Nothing belongs to you. Tout. T'es à moi en Christ. Everything is ce to qui me m'appartient Christ. Est à moi en Christ. What belongs to me is for qui, me in Christ. Ce qui m'appartient est un don de Dieu. What belongs to me is a gift from God. Continue à prier. Keep praying. Esprit impur, va-t'en. Impure spirit, begun. Au nom de Jésus-Christ. In the name of va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begun,
Begun. So, come out and go. C'est une nouvelle âme. If there is a new soul. Qui est poursuivi par un esprit de mort. Who is pursued by a spirit of death. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Je chasse la mort de ta vie. I cast out death from your life. Je chasse l'esprit de mort. I cast out the spirit of death. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Rabaka, Rabaka. Continue à prier. Continue à prier. Keep praying. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. On dit gardez le calme, vous gardez le calme, vous vous obéissez. Le combat est ordonné. The battle is done in order. Nous ne sommes pas seuls. We are not alone. Travaillons avec le Saint-Esprit. We are working with the Holy Spirit. Pensez pas que quand on garde le calme, tout s'arrête. Le Saint-Esprit travaille. Don't think that when we are keeping calm, everything stops. The Holy Spirit is at work. Vous pouvez être dans une tombe sans savoir. You can be in a grave without knowing. Et pendant qu'on garde le calme, why we keep calm, le Saint-Esprit peut aller au fond des eaux. The Holy Spirit can descend in the depths of the waters car la tombe était sortie de là. And breaks the graves and brings you out. La délivrance opère à plusieurs niveaux. Deliverance is operated in many levels. Un esprit peut être en toi, on le chasse. A spirit can be in you and he's casted out. Toi-même, tu peux être dans une prison, on doit casser la prison. You can be in a prison and the prison needs to be broken. Quand on écoute le Saint-Esprit, when we listen to the Holy Spirit, il nous aide. He helps us. Say, Lord, bien. Come. Même si c'est au fond des mers. Even if it is in the depths of the sea. Délivre-moi. Deliver me. Racine des arbres. Even if it is in the roots of trees. Donne-moi la victoire. Give me victory. Même si c'est dans le ventre d'un être humain. Even if it is in the stomach of a human being. Donne-moi la victoire. Give me victory. Même si c'est dans le ventre d'un esprit de mort. Even if it is in the stomach of a spirit of death. Donne-moi la victoire. Give me victory. Tais-toi, va-t'en. Quiet, leave. Restez concentré. Remain focused. Même si c'est dans le ventre d'un reptile. Say even if it is in the stomach of a reptile. Donne-moi la victoire. Give me victory.
Même si un autre reptile l'a avalé, un autre l'a avalé, un autre l'a avalé. Even if another reptile swallow it and another reptile swallow it. Donne-moi la victoire. Give me victory. Il faut insister sur ce sujet. You have to lay emphasis on these topics. Que même si c'est dans le ventre d'un reptile, qui est that even if it's in the belly of a reptile, avalé, and then another reptile has swallowed it. Let them go. Donne-moi la victoire. Give me victory. Même si c'est dans une bouteille. Even if it is in a bottle. Qui a été enterré. Which has been buried. Donne-moi la victoire. Give me victory. Même si c'était avec les sacrifices humains. Even if it was done with human sacrifice. Le sang humain. Even if it was done with blood, human Donne-moi blood, victoire. Give me victory. Même si on a demandé à la personne qui m'a envoûté, even if they asked the person who bewitched me, de marcher nu, to walk naked, pour que ça marche, so that it will work. Donne-moi la victoire. Give me victory. Même si on a dit à la personne qui m'a envoûté de manger une lame rasoir. Even if they told the person who bewitched me to eat a razor blade. Donne-moi la victoire. Give me victory. C'est toi qui donnes la victoire. You are the one who gives victory. Même si c'était avec de l'eau de cadavres. That even if it was with the water of dead bodies. Donne-moi la victoire. Give me victory. Donne-moi la victoire. Give me victory. Lift up your right hand. Lift up your right hand. Nous bannissons tout envoûtement. So we ban every bewitchment. Nous proclamons le règne de Jésus de Nazareth. We proclaim the reign of Jesus Christ. Et nous déclarons que toute personne envoûtée libre, 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 libre. And we declare anyone who has been bewitched free, free, free. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous libérons tous ceux qui sont liés par l'esprit des jumeaux. We set free all those who are bound with the spirit of twins. Tout ce qui existe dans ta vie. Everything that exists in your life. À cause du culte des jumeaux. Because of the worship of twins. Nous cassons cela. We break it. Nous brisons. We shatter. Nous bannissons. We ban. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Va-t'en vite. Be gone quickly. Thank you.
Si tu es un jumeau, if you are a twin, et qu'un esprit t'a suivi, and that the spirit followed you, parce qu'on vous a adoré, because you were worshipped. Nous déclarons que tu es libre. We declare that you are nous free. Chassons cet esprit. And we cast out that spirit. Gardez le calme. Keep calm. Si tu as reçu un coup de poing, if you receive a blow, dans un songe, in a dream, ou d'un bâton, ou d'un marteau, or a cane, or a stick, or a hammer, une maladie t'a suivi, and a sickness followed you. Nous déclarons que tu es guéri. We declare that you are healed. Nous chassons cette maladie. We change that bewitchment. Nous détruisons l'envoûtement. And we destroy the bewitchment. Si pendant que tu dormais, if while you were asleep, un esprit de mort t'a touché, a spirit of death touched you, nous effaçons ses marques. We wipe out his prints. Avec le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Tous ceux qui ont été touchés par l'esprit de mort. Anyone who has been touched by the spirit of death. Plongeons dans le sang de Jésus. We cover you under the blood of Jesus. Nous effaçons les empreintes des morts. And we wipe out the fingerprints of death. Et nous chassons les esprits qui. And we cast out the spirits. Les esprits qui voulaient te suivre. And the spirits wanted to follow you. Qui a été maudit. If there is a man who has been cursed. Par ses parents. By his parents. Il ne se mariera jamais. That he will never get married. Ça s'accomplit. And it is coming to pass. Nous déclarons que tu es libre. We declare that you are free. Nous brisons cet envoûtement. We break that bewitchment. S'il y a un esprit qui résiste, if there is a spirit which is resisting, à cause des incestes, because of incest, dans la famille, in the family, incest, 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 nous brisons cette résistance, we break that resistance, et nous chassons cette malédiction, and we cast away that curse. Brisons la résistance. We break the resistance. Et nous chassons la malédiction. And we cast out that curse. Si y a une femme ou un homme serré à cause d'un inceste. If there is a woman or a man who is barren because of an incest. Son inceste personnel et l'inceste des autres. Your incest and the incest of others. Proclamons. We proclaim. Que Christ a effacé les transgressions. That Christ has wiped away the sins. Nous bannissons la malédiction. We ban sickness.
Il y a un témoignage avant qu'on ne passe à la guérison. Who has a testimony before we pray for healing? Ceux qui ont un témoignage à rendre, venez rapidement. Let those who have a testimony come quickly. Moi, c'est le frère Aloloba Fabien. J'ai pour faisait des disciples le pasteur Jean-Claude Delogne. Frère, il faut dire que tout à l'heure, quand papa a dit non, de prier pour chasser l'esprit de couleur, que c'est une idole, j'ai pensé directement à ma famille. Parce que faut dire que dans ma famille, tous mes oncles, à peu près tous mes oncles, les frères de ma maman, c'est les gens qui ont des couleurs dans leur cœur. Ils gardent beaucoup la rancune aussi. Et j'ai demandé au Seigneur de les délivrer de cela. Et tout à l'heure, quand on priait sur la colère, quand je priais, le Seigneur m'a fait comprendre que, effectivement, il a délivré ma famille de la colère. Donc je voulais dire merci au Seigneur qui a délivré ma famille de la colère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Céa Félicité. Je professeur de disciples, le frère Bédel. Tout à l'heure qu'on priait, le pasteur a demandé qu'on bannisse, on bouleverse le royaume des esprits de mort, qu'on casse tout. On était en train de casser, briser, et j'ai vu une main. C'est comme si j'avais un voile noir sur ma tête jusqu'à ce niveau-là. La main est venue, il a enlevé ça comme ça, et je sentais qu'il enlevait. Il a enlevé tout, il a jeté, il a mis le feu dessus. Et c'est brûlé. Je vais dire merci. Acclamation. Clap offering. Les morts avaient déjà habillé avec leur tenue. The dead had already clothed you with their uniform. Tu es délivré. You are delivered. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gautre Prissy. Je suis la sœur d'ici, maman Sonia Goba, de Daloa. Je voulais rendre mon témoignage. Quand on priait ainsi, la colère, et que papa a dit qu'on n'a qu'à rester calme. Et je suis restée calme. Donc c'est comme s'il avait vu un ange apparaître devant moi. Et il m'a dit, viens, je vais t'envoyer à quelque part pour te montrer où ton cœur a été caché. Et quand nous sommes partis, on est arrivé dans une forêt noire. Il y avait une grosse marmite qui était sur feu. Et dans la marmite, il y avait une bouteille. Mon cœur était dans cette bouteille-là. Et l'ange m'a dit que ton vrai cœur est dans cette bouteille-là et le feu est en bas. Et il y avait un monstre qui apparaît derrière la mamie qui dit, ce cœur m'appartient, ce cœur m'appartient. Et l'ange a dit, ce cœur ne t'appartient plus. Et le démon a dit que le cœur qui est dans mon cœur, c'est ce cœur-là qui est pour lui, le démon. Donc le Seigneur a dit que ce cœur qui est en elle, il faut enlever. Il dit, jamais. Elle est mariée, mais je contrôle son cœur. Elle m'appartient toujours. Que l'alliance que moi, je l'ai mariée, l'alliance encore avec elle. Et l'ange a dit, il faut enlever cette alliance. Il dit, jamais que je ne peux pas. Et l'ange a invoqué le feu dans les cieux. Il dit, si tu n'en es pas l'alliance, je vais te brûler. Il dit, jamais de la vie, parce qu'elle m'appartient depuis dans le ventre de sa mère. Gloire à Dieu. Et je voyais tout cela passer. Il dit, donc ça veut dire que je me suis mariée, mais c'est comme si spirituellement je suis mariée à un démon. Gloire à Dieu. Et il a dit, il faut enlever cette alliance. Et les démons disent, non, je ne peux pas enlever parce qu'elle m'appartient. On luttait jusqu'à ce que Jésus a triomphé. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, il enlève cette alliance. Et il a enlevé. Il dit, divorce là. Il dit, il divorce. Maintenant, il dit, c'est le cœur qui est dans la mamite là. Il faut enlever parce que ce cœur qui a elle là, ce n'est pas pour Jésus. Et il a enlevé, c'était un cœur noir qui était vilain quand il a enlevé ce cœur. Moi-même, j'étais là, je tremblais. Et ce que Jésus m'avait donné était dans la marmite. Et la marmite s'est brisée. Et le cœur qui m'appartient est venu en moi. Je me suis sentie libérée. Gloire à Jésus-Christ. Dieu. Jesus Christ. Un autre miracle. Another miracle. À l'heure où je vous parle, je suis libérée. Je suis devenue comme une nouvelle créature, comme le Seigneur vient de me délivrer. Je vais dire infiniment merci. Il est celui avec qui miracle. Il délivre. Il a eu compassion de ma vie. Je vais dire infiniment merci à ce Dieu-là. Qu'est-ce
ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens. Papa, va là-bas. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sokoba Adeline. J'ai pour faisant les disciples le pasteur Egbao de Kumasi. Je voulais dire merci à Dieu. Tout à l'heure, avant de commencer la prière, papa disait de demander pardon, de se repentir. Et quand on priait, j'ai vu une vieille femme qui était en colère. Et cette vieille femme, c'était ma tante, la 9e de ma petite sœur, et de ma maman plutôt. Et quand on priait après sur les esprits des morts, j'ai vu un cercueil qui était ouvert. Et elle est rentrée dans le cercueil avec son fils. Et un éclair qui était au ciel est descendu sur le cercueil et le cercueil a disparu. Je voulais dire merci à Dieu qui vient de me délivrer d'un esprit de colère, un esprit de mort. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Touré Ange, mon faisant de disciples, c'est le pasteur Lombé Innocent. Pendant qu'on priait tout à l'heure, j'ai eu une vision. Dans la vision, c'était comme il y avait un géant ici, très grand de tête, et puis il avait beaucoup de têtes. Et pendant qu'on priait, quand on commence à prier, il se met en colère, il criait, et tout sa bouche s'ouvrait partout. Et tout à coup, je ne voyais pas quelque chose, mais je voyais juste que sa tête tombait. Quand on dit tailler en pierre, je voyais juste que sa tête tombait. Et sa taille a été découpée, un feu est descendu du ciel, puis l'a consumé. Je vais dire merci à Dieu pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi, c'est la sœur Ban Véronique. Pendant que papa disait qu'on n'a qu'à demander pardon pour nos idoles, moi, je voyais que dans mon cœur même, je suis soucieuse. Et à cause de soucis, là me rend coloreux. Et je sentais depuis même là, dans mon cœur, là-bas, il y a des soucis qui fait mon cœur, qui brûlent mon cœur. Et quand il a dit ça, il a commencé à demander pardon à Dieu pour mes soucis et pour les colères. Et il a commencé à bailler. Quand bail a fini, l'autre vient, je baille, me concentrais. Et je me suis senti libre. Donc, c'était mon témoignage. Je dis merci à Dieu qui m'a délivré de soucis et de colères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Kwaku Yahou Innocent et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Krizoa Severin à Bondoku. Il faut dire que depuis fort longtemps, je sentais l'odeur dans ma tête. Et pendant que le pasteur disait qu'on a demandé pardon à Dieu pour les péchés, et je me suis repenti. Et après la prière, le Seigneur m'a délivré, je ne sens plus le mal. Que toute la gloire lui revienne. Et l'odeur a disparu au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je suis Andrea William, disciple du pasteur Meunier. Je voudrais être reconnaissante au Seigneur qui vient de me délivrer. Tout à l'heure, pendant que papa priait et qu'il parlait des héritages volés, il y a eu un esprit qui s'est manifesté. Dans ma poitrine, je sentais une présence. Et je me suis rendue à l'équipe du posement de liens. Ils m'ont imposé les mains, ils ont commencé à juger les esprits. Et pendant qu'ils jugeaient l'esprit, j'ai commencé à saliver et à bailler. Et le poids que je sentais dans la poitrine m'a laissé. Je me suis sentie légère à la suite. Et après les bâillements, j'ai commencé encore à saliver. Je voudrais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a délivrée. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Adèle Dandy, disciple du pasteur Meni. Pendant que le pasteur prêchait par rapport aux idoles, le Seigneur envoie mon esprit sur la tristesse excessive. Et depuis que je suis petite, c'est que je transporte la tristesse. Souvent, on aimait me dire, si tu es fâchée, va te jeter dans les herbes. C'est ce que je faisais. Souvent, je disais à maman, j'ai envie de pleurer, dis pleuve. Quand tu es fatiguée, tu reviens. Et c'est ce que je faisais. Et pendant que je me suis dit, donc la tristesse peut être une idole. Pendant que je demandais pardon, parce que quand je venais, j'avais très froid, je ne me sentais pas du tout bien. Et j'avais très mal au ventre. Et quand j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour la tristesse et la solitude, parce que j'aime beaucoup être seule. Quand on me dérange un peu, ça m'énerve. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et quand j'ai commencé à demander pardon à Dieu, j'ai fermé les yeux. J'ai entendu une femme qui me disait « ingrate ». J'ai vu que j'étais quelque part avec une femme. Et je me suis rappelé qu'à l'enfance, j'aimais me promener seule sur le chemin. Et puis une fois, c'est comme je parlais avec une personne, une vieille personne. Et je vivais avec cette personne. Donc, pendant qu'on avait commencé à prier, elle me disait ingrate, ingrate. Mais elle continuait de me dire ingrate. Je continuais à prier. Et elle s'est levée. Pendant qu'on priait, le cou commençait à tomber sur elle. Elle m'a donné un trousseau de clés. Et je partais rentrer dans la maison. Elle dit, sors de mon monde. J'ai dit, mais
quel monde? Je disais que la maison où elle était, c'était ma maison. Elle me dit, sors de mon monde. Donc, je me rends compte que j'étais dans des souterrains. Donc, j'ai pris les escaliers et j'ai vu que c'était un cercueil. Je suis sortie avec les trousses de clés et j'ai ouvert ma porte. Et j'ai senti un canari se briser dans mon ventre. La douleur s'est arrêtée immédiatement. Amen. Je me dis, merci Seigneur pour cela. Amen. Un miracle. Un miracle. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Conan Amena Marie-Christelle. Mon faisant des disciples, c'est maman Anne Abigail, missionnaire numéro 2 de Yakassé à Tobrou. Je veux dire merci à Dieu, lui-même qui m'a délivré d'un esprit de colère. Au moment que papa a dit, on n'a qu'à demander pardon pour notre péché, et puis on va renverser les idoles. Quand j'ai fini de prier net, en même temps, j'ai commencé à vomir. Et puis, ils sont venus me chercher pour aller. Maintenant, arrivé là-bas, quand ils ont fini de prier, là, on m'a demandé c'est quoi j'ai vu. Mais je n'arrivais pas à parler. Ils m'ont posé des questions, je n'ai pas pu parler. C'est ça, je suis venu m'asseoir. Donc, quand je suis venu m'asseoir, c'est maintenant le Seigneur ouvre mon esprit. Parce que moi, ma grand-mère maternelle, elle danse fétiche. Donc, à l'âge de 10 ans, je suis partie en brousse avec elle dans la forêt. Nous deux, on était partis. Donc, on était partis, c'est comme si elle soit arrêtée. Et puis, un coup, quand on est arrivé là-bas, elle a parlé. Puis, un monsieur, il est sorti, il était court. Quand il est sorti, et puis, il est venu me faire tout. Donc, quand il est venu me faire tout, là, depuis à l'âge de 10 ans, ce monsieur-là, il était en moi. Donc, moi-même, je n'étais pas dans moi-même, c'est le monsieur-là qui était en moi. Parce que moi, à la maison, un peu de temps, j'ai ri beaucoup, je parle beaucoup, mais un peu de temps, quand j'ai commencé à parler, j'ai ri un peu, et puis, je me fâche. Donc, quand je me fâche comme ça, avec mon cœur, là, ça fait que ça bat, où il y a les bruits, là, je ne les supporte pas. Un peu de temps, je me vanue, et puis, c'est resté sur moi. Donc, c'est tout là où je suis venu m'asseoir. C'est là le Seigneur a ouvert mon esprit qu'à l'âge de 10 ans, tu es parti en brousse. Voilà ce qui s'est passé là. Donc, c'est cet esprit-là qui est entré en toi. C'est lui qui est toujours en toi. Donc, c'est maintenant quand il est assis et puis il a commencé à parler. Il dit, ah, donc je ne peux plus. Parce que où tu es parti là, il y a toujours le feu là-bas. Donc, je ne peux plus. Je dois quitter dans ton corps. Et puis, je suis assis et il a vu dans mes yeux que cet esprit-là est quitté dans ma poitrine. Donc... Jésus-Christ. Jesus Christ. Quand il est quitté dans mon corps, je me suis senti léger. Et puis, quand on tape batterie, je ne supporte pas même là. Je ne sais plus que... Je ne sens plus les trucs même dans mon cœur. Je suis libre. Je me dis merci à Dieu. Lui-même qui m'a délivré. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Suivant. Lui-même qui m'a délivré de cet esprit que depuis à l'âge de 10 ans. Je vais lui toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bidi Ephraim et j'ai pour faisant la sœur Dialou Maline. Je vais dire infiniment merci au Seigneur qui vient de me délivrer d'un esprit de colère. Croyez-vous dire que depuis longtemps, je renverse les idoles de la colère, mais je n'arrive pas. Et pour rien, je suis en colère. On ne met pas doucement, je suis en colère. Pour rien, je suis en colère. Donc, pendant qu'on priait, j'ai vu un homme qui était assis sur un trône et il a commencé à rire. Cela me dit, c'est qui cet homme? Et il me dit qu'il était mandaté depuis le séjour des morts par mon défunt père qui lui a dit de me donner son cœur parce qu'il m'aime trop. Donc, j'ai commencé à juger cet homme. J'ai commencé à le juger. Il a dit non, il ne partait pas. Que c'est mon père qui lui a donné l'autorisation. Donc, j'ai commencé à le juger jusqu'à ce qu'il tombe. Et le trône s'est brisé. Et j'ai dit au Seigneur que je refuse ce cœur, que le Seigneur me donne un nouveau cœur. En même temps, le Seigneur a enlevé un cœur noir, rempli de, je ne sais pas, des déchets, des débris. Et il a enlevé ce cœur, il m'a donné un nouveau cœur. Je veux dire infiniment merci au Seigneur pour cette délivrance. Amen. C'est un miracle. Au nom de Jésus, je suis la sœur Kokora Badio Élise. Mon frère disciple, c'est M. Agon Eric. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré. Tout à l'heure, quand papa a dit de prier, de juger tous ceux qui sont les jumeaux, les esprits qui sont derrière eux, qui les fatiguent là. En tout cas, il y a un esprit qui m'a saisi. Et puis, le groupe délivrant est venu me chercher pour aller. Quand ils ont pas prié, jugé, je vois, voici mon frère jumeau qui est venu. Il dit, depuis longtemps, c'est moi qui suis derrière toi, moi te fatigue. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Mais à partir d'aujourd'hui, je te libère. Je te libère, tu vas te marier. Ne t'es pas arrêté là. Nous, quand ils nous ont accouchés, ils ont mis des cailloux, des vents.
C'est là-bas, on vient mettre de l'argent. Il y a un monsieur qui est venu, il dit aujourd'hui, je ramasse tous les cailloux, tous les vents, de l'argent, les pieds de 10 francs, 5 francs qu'ils ont mis dans le vent. Aujourd'hui, je prends pour aller. J'ai commencé à vomir. Je ne sais pas, j'ai commencé à vomir. Quand je vomissais, je vois, il y a les robes de mariage qui sortaient dedans. Il y a les bagues de mariage, les chaussures, les pailles qui sortaient même. J'ai dit merci à Dieu pour cette délivrance qu'il m'a fait. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Mon nom, c'est Anne Sephora, disciple du pasteur Léignon. Pendant qu'on est en train de prier, contre l'esprit. Micro. Pendant qu'on est en train de prier contre l'esprit de Marie de nuit, il y a un homme qui a commencé à me parler pour me dire de me taire, qu'il ne veut pas partir, qu'il m'aime, que de rester tranquille, de m'asseoir, d'arrêter de prier, de me taire. Donc, il a commencé à dire ça. Il y a une colère qui est rentrée en moi. Il ne voulait plus me taire. Il a dit, tu veux que je me taise, quoi? Donc, je me suis levée avec violence. Et puis, j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Et je l'ai vu par terre, triste. Il avait attrapé une mallette. Donc, moi, j'étais en train de le regarder partir. Je voulais rester comme ça, le regarder partir. Mais mon esprit a refusé. Et puis, j'ai dit, mais c'est quelle mallette tu prends pour partir, là? Faut me donner. Et puis, j'ai vu une femme qui a couru pour partir, l'a arraché la mallette pour venir me donner. Elle m'a béni, c'était mes bénédictions. Elle m'a béni. Elle m'a dit de me garder de péché, de convoitise et puis d'impudicité. Sinon, l'esprit, là, va revenir. Et puis, ma condition sera pire. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Akadie Emmanuel. J'ai frère sèche. Je veux dire merci à Dieu. Lui qui m'a délivré d'esprit de mon père. Je veux le rendre toute la gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est une autre dimension. This is another realm. Vous voyez, ce que la jeune sœur a dit sur la colère. What the young sister said about concerning anger. Qu'elle revienne. Let her come back. Non, où est-elle? Sœur a donné à voir la sœur qui est venue parler de... Oui. Comment ça s'appelle? Qui a reçu le nouveau cœur, la vient? Who received the new heart? Non, ce n'est pas toi. Je veux celle qu'on a préparé le cœur dans le feu. The one that the heart was on fire in a pot. Ça s'appelle Audrey. Audrey, où es-tu? Ton témoignage est une école. Your testimony is a school. Écoutez comment elle a été délivrée. Listen to how she was delivered. Tu veux très bien. Listen carefully. Personne ne rentre avec la colère aujourd'hui. No one is going back home with anger today. Écoutez très bien. Listen carefully. Oui, parle. Gloire à Dieu. Quand papa priait sur la colère et qu'il a dit qu'on n'a qu'à rester calme, je suis restée calme. C'est comme s'il y avait un ange apparaît devant moi et il m'a dit, viens, je vais t'envoyer à quelque part pour te montrer quelque chose. Et nous sommes partis dans une forêt noire. Quand on est arrivé là-bas, et j'ai vu un gros canari, c'était sur le feu. Maintenant, dans ce canari, il y avait un cœur qui était dans une bouteille, dans le canari, et c'était fermé. Il a dit, tu vois ce canari-là? Ton vrai cœur est dedans là-bas. Gloire à Dieu. Et quand il m'a monté, ça n'a pas duré. Puis il vient, mon ça apparaît devant le canari. Il était géant, bien noir là. Et il dit, ce cœur-là m'appartient. C'est comme si je suis mariée à lui depuis longtemps.
Je suis mariée à ces démons-là depuis longtemps. Je me suis mariée physiquement, mais spirituellement, ici encore mariée à ces démons-là. Gloire à Dieu. Je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'il y avait peur qu'on me dise « ça suffit », donc j'ai coupé. Vas-y. Acclamation à Jésus-Christ. Clap up free for Jesus. Donc, l'ange m'a dit, tu sais pourquoi depuis tu es mariée, toujours tu es tout en colère, tu es en colère. Et ce qu'il me disait, c'est vraiment vrai. Je me suis mariée, mais je n'arrive pas à laisser la colère. Je peux même me fâcher pendant 3 mois et mon mari dans la maison ne se parle pas. Gloire à Dieu. Mais moi, je me demandais pourquoi je suis comme ça. Je prie, je fais des jeûnes en vain. Et l'ange m'a dit, ton vrai cœur est dans ces canaries-là, gloire à Dieu. Et quand il a dit ça, j'ai dit à l'ange, mais comment je vais faire pour que mon vrai cœur soit à moi? Il a dit, on va combattre ce démon-là. Et il a dit, jamais, tu ne peux pas me combattre, jamais. Elle m'appartient depuis dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas aujourd'hui que toi, tu as venu arracher ce qui m'appartient, gloire à Dieu. Et l'ange parlait, il dit, elle t'appartenait avant, mais maintenant, elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Offrons d'acclamation à Jésus de Nazareth. To Jesus Christ of Nazareth. C'est un miracle. It is a miracle. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Maintenant, quand l'ange a dit ça, il a commencé à crier, jamais de la vie, jamais de la vie, je ne peux pas accepter. Toi, tu es qui pour arracher ce qui m'appartient? L'ange dit, au nom de Jésus-Christ, tu vas libérer cette jeune fille-là parce qu'elle ne t'appartient plus jamais. Il a commencé à crier et il a dit, à partir d'aujourd'hui, votre alliance là, tu vas enlever. Il a commencé à crier. De la manière qu'il s'est lamenté, moi aussi, là, il tremblait parce que c'est comme si c'est à cause de l'ange même qu'il peut tenir sur mon pied. Et je criais, Seigneur, au secours. Et il a dit, le feu est trop, il a ouvert le ciel, le feu est tombé sur lui, il a commencé à être brûlé. Et il dit, je refuse, mais malgré tout ce que l'ange disait, il dit, il refuse. Mais quand le feu a commencé à le consumer fort, il dit, à partir d'aujourd'hui, je le libère. Je la libère, je la libère, je la libère. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Acclamation. Clap of free. Avec les cris de victoire. We shout of victory. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Suivons la suite. Et il a fait sortir une feuille blanche, comme quand on se marie, puis on signe, il a fait sortir, il dit, je la divorce au nom de, je la divorce, je la divorce. Et il avait l'ange, a dit, si, et il a signé avec le noir, il a pu pour signer. À partir d'aujourd'hui, libère l'alliance que tu avais portée à cette jeune fille-là, libère. Et il a levé, gars, moi je porte alliance, mais pour lui, et là, je ne sais pas. Il a dit, une alliance noire, je n'ai jamais vu ça. C'est tombé sur mes mains. Gloire à Dieu. Et il a repris toutes ces choses. Maintenant, il a dit encore que c'est lui qui fait que je n'enfante pas. Parce que quand je vois mes rêves, souvent mon bas-ventre me fait mal. Même quand souvent je vais aller à mon mari, mais je ne peux pas. Souvent, mais je peux tomber. Et il a dit, c'est lui qui a la base de tout cela, gloire à Dieu. Et l'ange a dit, ramasse toutes tes salités, toutes tes maladies. Et il faut prendre, il dit, à partir d'aujourd'hui, je la libère, son enfantement, je libère tout cela. Elle est sauvée, elle t'appartient maintenant, va avec elle. Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Jésus Christ. Jesus Christ. Il n'a pas changé. He has not changed. Que les semeurs se préparent à nous faire danser. Let the sowers get ready to make us dance. Maintenant, il a libéré l'alliance, ça reste le cœur. Maintenant, il dit, il faut libérer son cœur.
ce cœur qui est dans la canarie, là, il faut libérer. Il dit, je n'ai plus de force à lutter avec vous encore. Je la libère, prends ce qui l'appartient. Et c'est comme si l'ange a mis sa main et mon cœur s'est ouvert. Et puis il a enlevé un cœur noir comme charbon. C'est tombé. Et ce qui est dans la mamita s'est brisé. Et quand ça venait, moi, je voyais, c'est rentré en moi. J'ai senti une paix, une joie dans ma vie. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Who believed what was announced? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Who recognized the hand of the Lord? Faut dire que depuis 2018, j'ai cru au Seigneur. C'est aujourd'hui que j'ai reçu la vraie délivrance de toute ma vie. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je veux dire merci à ce Dieu qui a eu compassion et pitié de moi, qui vient de me délivrer de tout esprit de Marie devenue Goliath dans ma vie. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a cru? Who believed? À ce qui nous était annoncé. To what was preached to us. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Who acknowledged the hand of the Lord. Jésus-Christ opère des miracles. Jesus Christ operates miracles. Nous entendons que je vous donne un cœur nouveau. We are hearing that I will give you a new heart. Nous avons vu comment ça se fait en pratique. We have seen it in practice. Le cœur, il y a des mauvais cœurs, il faut enlever. You have evil heart. You have to remove it. Pose la main là où se trouve le cœur. Lay your hand where your heart is found. Dis, je sanctifie mon cœur. Say, I sanctify my heart. Je sanctifie mon cœur. I sanctify my heart. J'enlève le cœur démoniaque. I remove the evil heart. Et je mets le cœur de Jésus. And I place the heart of Jesus. Je serai semblable à Jésus. I will be like Jesus. On peut travailler le cœur de quelqu'un et devient voleur. C'est ce que je viens d'apprendre. Someone's heart can be worked upon and he becomes a thief. That is what we just learned. Tu es assis là, tu as un cœur de démon. You are seated there, you have a demon's heart. Et ton vrai cœur est ailleurs. And your true heart is somewhere else. Pour changer, in order to change, il faut être très sérieux. You have to be very serious. Depuis hier, since yesterday, je sentais dans mon esprit, I was feeling it in my mind, qu'il faut juger les esprits qui revendiquent, qui réclament, qui disent que nous sommes là parce que son père me l'a donné, ou bien sa mère. C'est-à-dire, ils ont une... Quand on dit, nous brisons la résistance, là, ça ne leur dit rien. That we have to pray against the spirit who claims because they are there because a relative has given you to them. So when we say, we break the resistance, it doesn't matter to them. Dans le témoignage qui vient d'être rendu, in the testimony that was just given, un ange, an angel a dit au démon, remets l'alliance, enlève ça. Il a refusé. So the demon removed the ring. He refused. C'est que son père me l'a donné. He said, her father gave her to me. C'est le feu. It is the fire qui a mis fin à ça. That put an end to this. Donc, imagine donc ce qui peut nous arriver. So, nous prions sans voir. So imagine what can happen to us. We pray without seeing. L'ange en direct. The angels directly. Le démon lui dit que c'est son père qui me l'a donné. Je n'enlève pas. The angels in life, and the demon says, "It's my father. It's her father who gave her to me. I won't remove it." Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Brethren. Non, nous sommes là. We are here. Tu seras délivré. You will be delivered. Même s'il faut que le feu descende du ciel. Even if it requires fire to come down from heaven. Il va descendre. It will come down. Bénissons le Seigneur pour ce niveau de combat où il nous révèle les choses cachées.
Let's thank the Lord for this rim of battle that is revealing to us the hidden things. Let's pray together. Si tu es un ancien ou un missionnaire, viens prier. If you're a missionary or an elder, come and pray. Oh Père! Non, là tu écoutes. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que je ne sais pas si tu as la sagesse. Ce que nous voyons, c'est une bénédiction. We are going to thank the Lord. I don't know if you have wisdom. What we see is a blessing. Audrey ne sera plus jamais la même. Audrey will never be the same again. Elle n'est pas la seule. Beaucoup sont entrés dans cette bénédiction. And she's not the only one. Many of us have entered into that blessing. Des cœurs changés. Change hearts. Les cœurs envoûtés, transformés. Bewitched heart being transformed. Oh Père, nous te disons merci. Parce que nos yeux voient la gloire de ton Fils, Jésus de Nazareth, qui va dans les abîmes arracher nos vies, nos âmes, nos corps et nos esprits, et même le cœur, le transformer et redonner à sa fille. Oh Seigneur, c'est un privilège ce que nos yeux sont en train de voir. Amen. Seigneur, 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 nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le niveau du combat spirituel. Là où tu nous révèles les choses cachées, Seigneur, jusqu'à nous montrer le cœur qui pourrait appartenir à une autre personne et tu peux en délivrer la personne. Ceci est une grande révélation et une délivrance, non seulement pour moi, mon frère, ma soeur, mais pour toute personne ici présente, comme ailleurs et ceux qui sont en ligne. Que toute la gloire, l'honneur te revienne au nom de Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci, infiniment merci, pour le nouveau du combat que tu as commencé avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu fais à chacun d'entre nous. De voir de façon palpable et d'entendre que tu es descendu, oh Seigneur, jusqu'à dans les profondeurs pour arracher un cœur qui était détenu par un démon. Coria, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là et nous voyons que tu es avec nous, que tu seras toujours avec nous, que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bref, parce que nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, notre Père. Merci pour le niveau du combat. Merci pour ces révélations. Merci pour ton implication jusqu'à ce niveau. Gloire, honneur, élévation à toi, au siècle des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, louange, adoration, soit à toi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci, Seigneur éternel, pour ta révélation au sujet du cœur qu'on peut changer, au sujet du cœur nouveau que tu peux donner. Louange, adoration à ton nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te louons, nous te saluons, nous te célébrons, notre Dieu, pour ce que nos oreilles ont entendu ce soir. Merci parce que ta parole est vraie. Et ce qui est dit dans la Bible, Seigneur, nous venons. Oh, de vivre cela, sois loué, sois célébré, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tes bienfaits, pour tes offres, Seigneur. Merci pour cette dimension que tu nous donnes, Seigneur, ce soir. Père, merci pour ce nouveau cœur que tu nous donnes ce soir. Sois élevé, sois magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois exalté, Seigneur éternel. Seigneur, tu nous fais découvrir ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Seigneur, tu nous fais toucher des choses, nous fais palper la réalité. Sois exalté, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu viens, Seigneur, de démontrer que tu es dans le combat. Merci, Seigneur, parce que c'est possible. Oh, la promesse d'un corps nouveau. Oh, Seigneur, merci, parce qu'il y a de l'espoir. Oh, Seigneur, là, et tu nous appelles, Seigneur, à croire, et tu nous appelles à combattre avec intelligence.
Oh, merci pour ce niveau du combat. Et merci pour l'espoir qu'il y a pour plusieurs cœurs. Oh, Seigneur, qui seront transformés, qui ont été transformés, qui seront transformés selon ta promesse. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons la ferme conviction que tu es venu déterminé à nous bénir, à nous délivrer, à nous arracher des mains de nos ennemis. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons, Seigneur, pour le témoignage de notre sœur, pour ce que tu as fait dans la vie de la sœur Audrey. Tu nous mets cette ferme conviction au cœur que tu peux le faire pour chacun de nous. Nous donner un nouveau cœur, descendre dans tous les endroits possibles, Seigneur, pour nous bénir, pour nous donner ce nouveau cœur. Sois béni, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Père, tout peut arriver et tu nous demandes seulement de coopérer avec toi. Seigneur, nous pouvons tout entendre, nous pouvons tout voir. Tu nous demandes seulement de garder le calme, de coopérer seulement avec toi. Tu es descendu et tu es dans le combat. Seigneur, nous acceptons de coopérer. Merci. De la manière où on peut gâter un cœur, c'est de cette manière que tu peux remplacer et donner le nouveau cœur. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Oui, tu es présent et tu es là pour nous délivrer, pour combattre toi-même, Seigneur. Nous te disons merci pour ta main agissante dans ce programme. Tu es présent, tu es présent. Tu as ni un titre pour Satan dans nos vies. Ô éternel, sois béni. Parce que tu combats pour nous. Tu es dans le projet. Tu es dans le projet. Tu es dedans. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Père, tout est possible à toi, ô notre Dieu. Nous devons seulement croire parce que tu es à l'œuvre. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour des choses, ces choses qui dépassent notre entendement, que tu accomplis dans cette, Seigneur Jésus-Christ, à cette ère nouvelle. Sois élevé, sois béni, sois exalté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu, je te bénis et je te dis merci, parce que dès l'entame de la prière de ce soir, tu nous as fait comprendre, Seigneur éternel, que le renversement des idoles est étroitement lié au renversement des principautés. Merci parce que tu as agréé la prière de notre sœur. Et comme résultat, tu l'as délivré de cette principauté. Ô Père, tu nous enseignes, tu nous instruis et tu nous montres les profondeurs du combat. Et tu nous démontres ta puissance. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce qu'avec toi, le miracle est encore possible, Seigneur. Tu peux changer le cœur, et tu l'as prouvé par ce témoignage. Oh, notre Père, nos cœurs sont remplis de reconnaissance, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Reçois l'honneur, la louange, au nom de Jésus. Amen. À ce niveau, consacrons-nous seulement au Seigneur, et on revient demain pour la bataille. At this level, we are going to consecrate ourselves to the Lord and come back tomorrow for the battle. Parle à Jésus, dis, je t'aime, je t'appartiens. Speak to Jesus, say, I love you and I belong to you. Merci Seigneur. Thank you Lord. Consac. Dis je me cache sous le sang de Jésus. Say I hide myself under the blood of Jesus. Aucun démon chassé ne me suive.
No demon that has been casted, follow me. Qu'il ne se tienne pas sur mon chemin. Let him not stand on my way. Qu'il ne parte pas à la maison. Let him not go to my house. Qu'il ne touche pas à ma voiture. Or touch my car. À mon vélo. Or my bicycle. Ma moto. My motorcycle. Mon tricycle. My tricycle. À mes enfants. And my children. À mon épouse. À mon mari. My wife, rien my de ce qui m'appartient. Nothing that belongs to me. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Moi. I. Et tous ceux qui sont avec moi. And everyone who is with tout me. Tout ce que j'ai. Everything that I have. Tout ce que j'aurai. And everything that I will tout have. Tout est à Jésus. Everything is to mon Jesus. L'esprit, mon âme et mon corps à Jésus. My spirit, my body, my soul to Jesus. Mes biens, présents et futurs à Jésus. My present world and future world to Jesus. Amen. Amen.